Salut les amis, c'est Immortal71 Camille de oldschoolgameuniverse.blogspot.fr et on se retrouve aujourd'hui dans Hitman pour un contrat communautaire donc, qui s'appelle The Swedish Infiltration. Donc on a trois cibles à éliminer sans aucune contrainte d'assassinat ni de déguisement. Par contre, on a trois contraintes supplémentaire. Une seule sortie est disponible pour cette mission, donc je peux déjà vous dire qu'il s'agit du parking du consulat, ce sera votre sortie, et donc il vous faudra choper les clés donc dans l'un des bureaux au rez-de-chaussée. Voilà. Si des corps ou des individus inconscients sont découverts, et bien entendu, la mission échouera. Donc aucun corps ne doit être trouvé. Ensuite, tous les tirs doivent toucher un PNJ, même s'ils le traversent, et touchent ensuite un mur. Voilà. Donc déjà, les deux premières cibles se trouvent dans le bar à Chicha et la troisième se trouve au consulat. Donc là, je viens de récupérer une brique. En fait, j'aime bien m'occuper de petits objets au fur et à mesure, comme je le fais en temps normal. Donc dès que je vais voir aussi bien un tournevis, un pied de biche, etc., je vais les récupérer. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je me dirige vers la petite ruelle où il y a un distributeur de boissons. Donc je vais ramasser des canettes de soda au sol, ainsi que deux pièces de monnaie qui sont un tout petit peu plus loin. Voilà, pour les canettes de soda. Quelques mètres plus loin, par terre devant le distributeur, deux pièces de monnaie. Donc là maintenant, je me dirige sur les toits pour aller récupérer une carte de membre VIP pour rentrer dans le bar à chicha. Donc même si on se fait rarement pairer, faites toujours attention quand même à la dame qui se trouve en contrebas. D'ailleurs, je crois qu'elle fait partie d'une cible d'un autre contrat communautaire. Donc là, je viens de récupérer une clé anglaise et là maintenant la carte. La carte d'accès pour le bar à chicha. Donc vous avez vu, hein, la femme ne m'a pas du tout repéré. En même temps, elle tourne quand même. Elle est relativement bien tournée, donc il n'y a aucun risque. On redescend, bien sûr. Donc on reprend le chemin inverse. Allez, on descend. On reprend la gouttière. Voilà. Et c'est parti. Notre 47 est tout beau dans son costume Blood Money, n'est-ce pas? Donc là maintenant, je vais me diriger au bar, présenter mon carton au garde à l'entrée. Qui va bien entendu me laisser rentrer. Là, je perds pas de temps. Je vais me déguiser en fait en personnel du bar. Donc je vais en attirer un en activant la machine à glace. Pour ça qu'il y a écrit zone en cours d'inspection, parce que le mec... J'ai quand même ouvert la porte. Le mec... Voilà. Hop là. Qu'on attend quand même qu'il ait éteint la machine pour pas quelqu'un d'autre qui rentre derrière lui. Et c'est un petit timing. Il faut vraiment le neutraliser vraiment la seconde d'après. Hein. Donc là, un autre carton, mais ce n'est pas utile. Voilà. Là, je regarde s'il y a rien d'autre à récupérer.
Donc là, je me dirige là dans les toilettes pour neutraliser le soldat. Parce que lui, il fait sans arrêt des allers-retours pour aller pisser et se laver les mains. Donc on va pas laisser traîner la carte, même si on a déjà une. On va ramasser l'arme et la cacher ici. Comme ça, on est bien tranquille. Voilà. Donc du coup, là maintenant, je sors des toilettes. Lui, on s'en fout, il va uniquement se laver les mains. Donc elle, la miss, elle va rejoindre de temps en temps l'une des victimes. Ou je confonds peut-être avec une autre demoiselle, c'est possible. Alors, lui aussi, bien sûr, c'est l'une des victimes qui... C'est pas la première fois que je le tue dans un contrat communautaire. Il est assez... Il est quand même... Il est un peu difficile tout de même à avoir, quoi. Il y a certains angles de vue. Des fois, c'est pas évident parce que certains PNJ peuvent nous voir alors que c'est pas prévu. Là, ce que je fais, c'est que je vérifie si je peux pas des fois récupérer d'autres objets. J'ai beau connaître le jeu, j'aime bien refaire le tour quand même. Là, je vais dans le local, dans un local technique, chercher 2-3 bricoles. Tournevis, marteau. Donc, là, juste comme ça, je regarde s'il n'y a pas des fois de mort vomitif. Apparemment, il n'y en a pas ici, parce que je me souviens plus. C'est juste au cas où. Et bon, de toute façon, là, ce que je vais faire, c'est que je vais l'attirer avec une pièce. Je fais gaffe, l'autre il est pas loin, il risque d'arriver. Donc du coup, je vais quand même me dépêcher. Là, c'est du timing assez serré. On le pique, paf. Donc on s'en fout que l'autre soit là, vu qu'on l'a piqué juste avant qu'il rentre. Donc c'est impeccable. Ensuite, il aura mal au bide. Il va s'en aller. Oh, bah je me tiens le ventre. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais je suis pas bien, j'ai mal. Oh, mais j'ai mal. Du coup, on va en profiter que l'autre va s'asseoir à sa place pour faire la même chose avec lui. Mais par contre, on va pas du tout le piquer avec une seringue. Donc lui, il a tiré aussi. Voilà. Tac. Et paf, dénuqué, dénoyauté. Hop là. Surprise, motherfucker. Bah non, on court jusqu'aux toilettes. Parce que s'il a... Des fois qu'il aurait pas fini de vomir. Et hop, et on le noie dans la cuvette des toilettes. Impeccable. Du victime en très peu de temps. Allez, hop. Bon, par contre, juste comme ça pour anticiper, on va pas laisser le corps et on va le cacher. Voilà. Ah, puis c'est vrai que bon, faut qu'il n'y ait aucun corps de trouver, sinon la mission elle échoue, donc faire bien attention à ça. Bon, là, je rentre de nouveau dans le local technique du bar. Je me change. Toujours en costume bleu de monnaie et hop, cassos, c'est parti. Donc là, deux victimes, les deux premières victimes de fait, déliminées. On va passer à la troisième, donc je pars au consulat, tout simplement.
Je vous ai déjà dit, mais Marrakech est assez joli aussi. Hein. Puis alors, cet affichage de plusieurs centaines de personnes, c'est quand même assez, assez sympa quand même. Ce qui prouve que le jeu techniquement est vraiment réussi. Bon, certains diront qu'au jour d'aujourd'hui, c'est la moindre des choses, mais quand même, il y a tellement de jeux qui sont à la ramasse techniquement, et c'est pas du tout le cas de Hitman. Hitman est vraiment un très très beau jeu, et techniquement très réussi. Pas parfait, parce qu'aucun jeu n'est parfait, de toute façon. On peut toujours remarquer des petits bugs par-ci, par-là, pour tous les jeux. Il n'y a pas un jeu qui est de toute façon... Il n'y a pas un jeu qui est épargné par des bugs. Aucun. Mais bon, j'en ai quand même pas souvent vu. C'est assez rare quand même que j'ai pu voir des bugs dans Hitman. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, ben, allez-y foncez. Hein. Parce qu'en dehors de l'expérience de jeu qui est vraiment très complète et c'est vraiment très très immersif. Bon là donc, vous venez de le constater, je suis rentré dans le consulat, dans le parking. Là, mon but va être d'infiltrer le consulat. Habillé. Tac. Habillé en soldat d'élite. Donc on va traîner monsieur, mais on ramasse son arme et le pied de biche et tac. On le cache, tac tac, dans le vestiaire. On prend son déguisement. Et c'est parti. C'est sympa 47 aussi quand il est en soldat ou autre type mercenaire, etc. Et c'est très très sympa. Donc là j'en profite, il y a deux pièces de monnaie tant qu'à faire. Ça peut toujours servir. Une fois qu'on est dans... C'est marrant parce que, enfin, ça a toujours été comme ça dans Hitman de toute façon. Et puis il n'y a pas de raison que ça change. C'est beaucoup plus immersif comme ça. Dès le départ au niveau inventaire, on est quand même assez limité. Hein, comme vous l'aviez remarqué. Hein, pistolet, oui ou non, on n'est pas obligé de s'équiper d'un pistolet. Après on peut prendre divers objets, hein. on est je crois limité à, il me semble, 2-3 objets à chaque fois. Mais ce qui est bien, c'est qu'ensuite on a un inventaire totalement illimité. Alors certes, c'est pas du tout réaliste, hein, mais c'est sûr, hein, le mec, il a pas le sac à dos de randonnée sur lui pour planquer tout un tas d'objets comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est ça qui est bien, c'est que peu importe ce qu'on ramasse dans le jeu, hormis des armes, parce qu'on peut pas s'équiper non plus énormément, hein, on peut toujours s'équiper d'un pistolet plus d'une mitraillette par exemple. Donc ça c'est bien. Mais c'est ce que j'aime dans les Hitman, c'est que plus on récupère d'objets, d'items, tout ça pour in-game, mieux c'est. Il y a un inventaire totalement illimité dans la partie. Et ça, c'est vraiment très, très, très pratique. Surtout qu'on peut des fois perdre des objets. On peut ne pas forcément penser à ramasser ses piécettes. Donc du coup, tout comme un objet qu'on va balancer pour assommer, on peut très bien le laisser par terre, c'est pas gênant. Ou l'oublier. Hein. Donc voilà. Donc là, c'est plutôt pas mal. Donc là, je réfléchis un petit peu. Enfin, oui et non, en fait. J'attendais que notre ami revienne, tout simplement. Il va monter l'escalier. Je vais piquer ses vêtements, en fait. Voilà. Nous allons piquer ses vêtements. Surprise! Et tac! Allez hop! On laisse pas traîner le Bartelé, on va quand même le prendre. Allez, on le cache. On prend l'uniforme de garde de la sécurité. On va quand même se débarrasser de la mitraillette parce que franchement ça sert à rien. Voilà.
Bon, il a un port d'armes de toute façon, donc on lui dira rien, une mitraillette dans le dos, mais bon, c'est. J'aime bien que ce soit un minimum crédible quand même. Si j'ai pas à me balader avec une mitraillette, je le fais pas forcément. Bah, des fois, dans certains cas, c'est plutôt pas mal d'être plus armé, hein. Si ça tourne mal, au moins on tire sur tout ce qui bouge, hein, et on n'en parle plus, hein. Mais bon, quand je me rate, j'ai tendance à recommencer l'émission. Donc j'essaie de vous faire un maximum des missions le plus. J'essaie de vous réaliser des contrats le plus parfaitement possible, quoi. On fait ce qu'on peut. Bon, lui, il est chiant, lui. Puis j'ai pas envie de. Ouais, non, je vais plutôt m'occuper de cet imbécile que je viens de croiser. Ainsi que l'homme de ménage qui se trouve dans une autre pièce. Voilà, donc je vais les neutraliser parce qu'ils font des allers-retours dans la pièce à côté, là, qui est en face de moi. Qui d'ailleurs, il y a encore un autre soldat, mais lui, par contre, il peut me repérer. Donc lui aussi, il va être neutralisé, ce qui va faire 3 PNJ supplémentaires. Là, je vais pas neutraliser l'homme de ménage tout de suite parce que notre ami revient. Tac, ça y est, le voilà. Donc. En fait, je vais attendre de nouveau. Monsieur, il reboit un café. Je vais attendre de nouveau que monsieur reparte, tout simplement. Bon, un petit couteau de cuisine, ça fait pas de mal dans son inventaire. Surtout qu'en plus, je crois qu'il y en a 2 ou 3 dans la même cuisine. C'est un truc de fou. Donc. Allez, un petit marteau, tiens. Allez. Allez, allez, un petit marteau. On connaît un qui va se prendre un bon coup de marteau sur le coin de la gueule. Allez. Hop. Ah, bah je l'ai pas vu passer, lui, dis donc. Ah, bah alors. Je me retourne. D'accord. Bon. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais changer de stratégie parce que ça prend un peu de temps, tout ça. Donc on va attirer, je vais attirer mon collègue ici. Donc forcément, bah, il va y aller, il a entendu le bruit. Donc voilà. Je vais, pendant qu'il se dirige vers le marteau que j'ai lancé, voilà, pendant qu'il se dirige vers le marteau, je vais balancer moi un tournevis. Alors l'homme de ménage, pour qu'il soit intrigué, comme ça, je vais gagner du temps et j'aurai le temps d'assommer l'autre. Hop là! Et là, en fait, j'ai largement le temps. On le cache. Le marteau, le Bartoli, caché, tac. Voilà, c'est une question de timing. Donc il y a toujours des petits moments comme ça où on doit improviser si jamais il y a une mauvaise synchronisation de. Enfin, synchronisation. En fait, il y a des fois, ils vont l'un après l'autre, en fait. Des fois, l'homme de ménage, il reste dans la cuisine pendant que son collègue est dans cette pièce-là. Puis là, en l'occurrence, ils ont été tous les deux ensemble. Donc, de temps en temps, ça arrive, ça, ce genre de truc. Donc, du coup, ben, comme lui, il reste un peu trop longtemps là-bas, bah, pareil, là, j'ai balancé une brique là, pour l'attirer. Voilà. Parce que c'est amusant, on va lui balancer ça. Paf! Sur le coin de la gueule. C'est très rigolo. Voilà. J'adore ce jeu. Marteau. Comment ça, je suis pas fan? Donc là, notre ami, bah, il n'est pas encore rentré. Alors, comment on s'organise pour ce drôle de petit bonhomme? Donc il retourne manger des petits hors-d'œuvre. Tournevis, j'en ai pas besoin, je peux le laisser par terre. Donc voilà, c'est ça, repars. Vas-y, repars, repars. J'attends notre copain là qui peut me repérer. Je vais me mettre. Je vais changer d'abri, tiens. Voilà. Allez, rentre, mon coco. Vas-y. Paf! Allez! Alors,
pareil, on traîne le corps et on va le cacher dans la caisse qui se trouve juste ici. Plutôt pas mal qu'il y en ait une d'ailleurs dans cette pièce. Le marteau, le Bartoli qu'on ramasse, parce que je me demande si le mec il pourrait quand même pas le voir en dessous de la table en rentrant. Ce serait pas impossible ça. Donc je préfère le ramasser parce que du coup l'autre il va être intrigué, ah une arme à feu machin, puis il va aller ramener quelqu'un, puis ça va tout faire foirer. Donc voilà, vaut mieux ramasser quand même les armes quand on y pense. Enfin c'est même, c'est mieux de le faire tout le temps quoi. Faut mieux y penser, en effet. Voilà, alors lui c'est pareil, on va l'attirer. Histoire de s'occuper des caméras de sécurité. Qu'est-ce qu'ils en mettent de temps hein? Ils parlent par talkie-walkie. Eh, j'ai entendu un bruit, je vais aller voir. Voilà, surprise. Coquinou. Voilà, c'est fait. Donc, bah, on va ramasser son flingue, le marteau, et on déplace la victime. Alors, je surveille un peu, parce que je me demande s'il n'y a pas une miss, là, qui se met à sortir de temps en temps. On l'a vu en haut à gauche, hein, système de surveillance désactivé. Allez, on va le cacher, là, dans la caisse. Impeccable. Maintenant, on va s'occuper de notre ami. Tout en douceur. Et voilà le travail. Oh bah dis donc, le cochon il a mis du sang partout. Bon, en même temps je viens de dégorger hein, donc. Bon, un petit couteau de cuisine ça change, ça fait pas. Enfin si ça. ça fait pas du bien. J'allais dire ça fait pas de mal, mais. Je sais. Disons que c'est assez sympa à utiliser dans le jeu. Non, mais après, c'est un peu classique de s'en servir comme arme de lancer. Je trouve que au corps à corps comme ça, égorger sa victime, c'est plus sympa que de balancer le couteau dans la tête. Donc voilà. Mais le truc qui est sympa aussi, c'est frontal, quoi. On poignarde le bide et tout, c'est bien. Donc là, je me dirige dans les bureaux, là, qui sont juste en face de moi. Je passais là où il y a la miss, et on pique les clés de la voiture noire. Donc il se trouve à côté du PC portable. Et on s'en va. Donc là, de toute façon, j'ai les bons vêtements pour passer dans les couloirs. Donc ça, c'est plutôt bien. Mais je vais quand même me déguiser à nouveau avant de sortir. Donc on va remonter à l'étage. Maybe someday you'll be. Donc on monte l'escalier, voilà, nous sommes à l'étage, et on va récupérer l'uniforme de soldat d'élite. Bon bah là, de toute façon, on repasse dans le dos du garde, mais on va sur la droite. Par là où on est arrivé tout à l'heure. Mais c'est notre point de sortie. Et rappelez-vous, une seule sortie dans ce contrat. Donc n'oubliez pas de récupérer les clés. Donc après, voilà, si vous n'utilisez pas de brouilleur à usage unique, vous pouvez utiliser, bien sûr, des cartes de... du coup, des... Comment ? Des cartes d'accès du consulat. On en trouve en certaines, dont une dans le parking, là. Une sur une table, sur un toit.
où il y a d'ailleurs une blonde qui discute et un soldat. Enfin bref, voilà. Il y a pas mal de façons d'avoir des cartes d'accès. Voilà, donc score total 158 000 points, 22 minutes en bonus de temps. Donc on a éliminé les trois cibles comme c'était prévu. Assassin silencieux, rang 5 étoiles. Voilà, bah écoutez, bah c'est parfait. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve bientôt pour un prochain contrat de Hitman. Merci à tous, profitez bien. Allez, ciao les amis.